total respect. Zéro limite. Radio libre. Radio libre. What the fuck. Tous les soirs dès 21h. Difoulé sur Skyrock. Difoulé sur Skyrock. Wiz Khalifa, the comeback. Le retour. Le retour. You always have me here. What's up, man? What's up? How y'all doing? Fine, and you? I'm good. Yeah. I see y'all doing what you usually do. I come from New York. Et oh, yeah? Tu fais un peu comme ce que tu fais d'habitude, excuse-moi. Bonjour Paloma. Bah ouais, je me sens un peu seule alors. Bonjour Paloma, mets-toi bien en face du micro, Paloma. Le micro. Oui, voilà. Bien, voilà. Bonjour au micro, bonjour micro. Paloma. Paloma qui va très bien avec vous. Beaucoup mieux. J'étais en train de parler en américain avec Wiz. Yes, I was in New York City last week. Was it fun? Do you have a good time? Yes, good time. J'ai fait, dis-lui que j'ai fait un défilé de mode pour Elite Homme. Les slips. He went on a fashion, he went on the runaway, you know? Oh, he did a fashion show, yes. Sluggy, yes. Hey, félicite, il te croit, il te félicite. Thank you, Wiz. Bon, content de le retrouver, Wiz Khalifa en direct avec nous. Avec, tiens, un petit cadeau déjà pour toi, Wiz. Ah, there is first a present for you. À partager. Alors, écoutez bien. Yes. Qu'est-ce que c'est? De l'alcool. Alors de l'alcool qui préféré. Tiens, ton alcool préféré, Bombay ça s'appelle. You gotta say turn up. Et voilà. Turn up. Ah, on prend la bouteille, on la boit au goulot alors. Ah, c'est comme ça, ouais. Plus sec. Voilà, ouais. Petit cadeau pour Wiz Khalifa. Ah ouais, le, comme ça, tranquille, quoi. Si vous êtes allé voir sur le. Il avait soif. Vous êtes allé voir sur le blog de l'émission, vous avez peut-être vu Wiz Khalifa dans la chambre d'hôtel. Ah oui, on a mis une vidéo de toi, Wiz, dans la chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on te voit avec des bouteilles de Bombay avec tous tes potes dedans. We watched a video and you're on the on in a hotel room and there is a lot of Bombay bottles. What's going on there? Oh yeah. I drink too much, man. Oh, tu bois trop. Tu bois trop. Ah, moi aussi. You're not the only one, Marie's saying. That's my secret, man. I drink way too much. Like Marie. Yeah, bienvenue à Skyrock, ouais, Wiz. C'est son secret, il boit beaucoup, beaucoup trop. Bon, tu viens souvent nous voir. La dernière fois que tu étais venu, c'était après ton concert du Zénith. Tu veux briquet? Lighter, très. Vous avez vu, ça y est, la soirée est partie. Ouais, il y a besoin d'un petit briquet. Après la soirée du Zénith, concert au Zénith. Tu te rappelles de ton concert au Zénith à Paris? Do you remember the concert in the Zénith, in the theater? Yes, I do. The one that was really, really hot and I almost passed out. Ouais, celui où il était tellement défoncé qu'il a failli. C'est ça, voilà. Yeah. This one. C'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, Wiz Khalifa, vous l'avez découvert sur Sky, évidemment. Vous rappelez, bah tiens, de Young Wild and Free. Hein. Young Wild and Free avec Snoop Dogg. Yes. Comment il va, Snoop Dogg? How is he doing? Yo, Snoop is so good, man. That's my brother. He just got back from Jamaica. And, yeah, man. Il vient juste de rentrer de Jamaïque. Ah oui. Of course, he had a good time there. Et qu'est-ce qu'il a fait en Jamaïque? Ben, il dit qu'il s'est bien amusé, dis donc. Ah, étonnant. Hein? Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui va faire un petit séjour en Jamaïque? What would you advise for someone who's going to Jamaica? Pack some clothes that you're going to be cool in, you know, because it's really hot down there. Des vêtements agréables, parce que c'est quand même très chaud. Ouais. Smoke weed every day. Fumer de l'herbe tous les jours. Hein? And you know, just be ready for a really cool experience because the weather's gonna be nice, the people are gonna be nice, and you're just gonna come away from it a new person. That's what Snoop did, and he told me so many inspirational things that make me want to go down there. My mom just took a vacation down to Jamaica. She was there for a week, you know, on a resort, chilling with her friends, snorkeling and, you know, catching a tan and whatnot, so... Ah, tu es pas obligé de fumer de la weed. Ouais. Tu peux aller juste... Non, alors, non, la traduction, non, voilà, quand même. Que, là, ce qui est quand même génial en Jamaïque, c'est que tu vas, le temps est magnifique, les gens sont super sympas, tu vas fumer, tu vas te détendre, et que quand tu vas là-bas, tu rencontres des gens différents, tu reviens, tu es quelqu'un de nouveau. C'est ce qui s'est passé avec Snoop, qui est revenu avec beaucoup de sources d'inspiration. En plus, sa mère, la mère de Wiz, y est allée, dans un hôtel, tout compris, tu vois, fantastique, où elle a fait... snorkeling. Pas de la plongée, oui, de la plongée. La plongée avec le masque et le tuba, juste. Ah ouais. Tranquille. On est tellement défoncé qu'on va faire de la plongée donc, quand on est en Jamaïque. T'es déjà allé en Jamaïque? Have you ever been in Jamaica? I haven't been to Jamaica yet. Non, pas encore. Not yet, but I'm on my way. Yes, welcome in Paris. Yeah. Welcome à Skyrock, Wiz Khalifa. Vous le reconnaissez, Wiz Khalifa? En fait, c'est clair. Bon, mais tu connais toute l'équipe de Sky, hein? La Marie est là, regarde. All my friends, all my homies. What's up, man? Ta maison, oui. Romano? What's up, man? I'm fine, man. You? You're kind of quiet today. You stoned. Il te trouve bien calme. Non, mais je m'en fais défoncer. Non, je me prépare, j'attends.
ready. He's getting je ready. Je respire le bon air. You gonna take a shot? You gonna drink some gin with me? Turn up. J'en ai eu, c'est bon, chin. Turn up. C'est quoi cet alcool bleu? Parce qu'en fait, on lui a offert du Bombay. Non, mais c'est pas bleu, c'est blanc. C'est la bouteille qui est bleue. Bombay Sapphire, you gonna drink some too? Tu en veux un petit peu? A little bit. A little bit. Yes. Marie, elle en veut. Yeah, some more cups. Yeah, come on, from the drinker over here. Demande des verres. We need some cups. Amenez-nous des verres. T'en as? Shots. Bon, t'arrives pour un nouvel album, oui. New album qui arrive cet été, je crois. Il arrive quand ton album, le nouvel album? When will be your record release, your new record? The album comes out in late July. À la fin du mois de juillet. Ah, ça nettoie le gosier, si c'est le prix. Fin du mois de juillet. Oui, juste avant que septembre ne finisse. Yeah, we got a projected date, but you know how that stuff works sometimes. But the music is done. Mainly, it's just, you know, the political part of it now, clearing everything, you know, getting everything shaved down to where everybody's comfortable. So I'm just going to, like, keep it real and let everybody know that that's exactly where we're at with it. So I'm happy with the album. I can release it how it is right now. But me too, AMP. But that's not how the game goes. You know what I'm saying? You got to make other people happy with it as well. So that's what I'm at right now. I'm feeling, you know, everybody in that's on my side. They already pretty much know what to expect from it. But now they're getting to the point where it's like, this is how we can push it. This is how we can sell it. There has to be like a definite track list. Just because, you know, iTunes and places, they won't sell it without it, you know, so. Traduction romano. Alors, la traduction. I understand nothing. Alors, Paloma. Pour ce qui est de la musique, en fait, tout est prêt, tout est bouclé. Il est assez content de ce qu'il a fait. Enfin, tout lui plaît, mais tu sais, les choses, elles ne marchent pas comme ça. Il y a des règles du jeu, et notamment dans les règles du jeu, il faut que tout le monde arrive à être satisfait avec le résultat final. Donc, il faut plaire à tout le monde, que tout rentre dans tous les gens qui ont bossé dessus, en fait. Voilà, il dit qu'on on passe à la partie politique. En fait, de l'album. Également, il faut qu'il arrive à savoir ce qui va, dans quelle liste vont passer les titres, quels sont les titres. À l'ordre des titres, passer, tout ça. Exactement. Pour que iTunes accepte l'album, il faut qu'il y ait vraiment une liste bien précise et bien pensée des titres. Mais on lui a déjà refusé d'un titre, je sais pas, parce qu'il parlait de, je sais pas, admettons, je prends un exemple au hasard, de drogue. Ah, mais il sortirait plus de disques. They wanted to know if there even. If it ever happened that one of your tracks was refused because you were talking about drugs on it? No, absolutely not, man. All my tracks are encouraging drugs. Yeah. Oui, c'est pour ça que je posais la question. I dare somebody to try to make me to take a song out because of the weed, but nah, honestly, it just, you know, everybody wants to push themselves to be the best, and that's what people around me push me to do. So it might not just be about drugs. It might be about partying. It might be about, you know, traveling. Somebody might say, hey, you know, you have a couple songs like this. Why don't you try to go in this direction? Or why don't we try to, you know, attack this type of beat instead of, you know, still going? Because I never want to be repetitive. That's not the goal. So I listen to what, you know, people's feedback is, and whether it's the people next to me or my fans. So, you know. En fait, il dit qu'il attend de voir la personne qui viendrait et qui oserait lui dire de ne pas sortir un disque ou une chanson, tu vois. Parce il le fume. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Et en fait, toute l'idée, il y aura des chansons, mais évidemment, sur l'herbe. Ouais. Il y aura des chansons sur d'autres sujets. Sur la teuf, il a dit, la partie. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé et que, en fait, l'idée, c'est de profiter de toutes les expériences qu'il a accumulées. Les gens lui proposent des directions. Il veut surtout pas se répéter. Donc, c'est vrai qu'il retravaille peut-être d'autres chansons, d'autres rythmes. Il écoute beaucoup les conseils des gens qui lui sont proches, mais aussi de ses fans. Donc, c'est pour ça qu'il retravaille sur l'album. Mais lui, bon. Est-ce que Romano t'a inspiré, puisqu'il a chanté avec toi, est-ce que Romano t'a inspiré pour ce nouvel album? On a chanté deux fois déjà. Oui, on a fait deux fois. Inspired by the duet you did with Romano. Yes. It was an inspiration for you. Oh yeah, absolutely. Good inspiration. I think, me and Romano's mixtape should be coming out pretty soon. We got some free, free music that we're going to be dropping. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé la dernière fois. C'est vrai, ouais, la musique, tu vois, gratuite comme ça, il est... Yo, you guys got me high as hell last time I was in here too. I smoked some of that hash with y'all. And my heart was beating like this. I didn't tell y'all, but my heart was like... Alors en fait, la dernière fois qu'il est venu, il a fumé quelque chose qu'il a totalement mais défoncé, à tel point que son cœur battait mais à la chamade. Il était là, il chantait, il avait le cœur qui battait, qui battait, qui battait. C'est peut-être ma voix qui l'a démonté, il a dit. On l'a démonté. Y'all fuck me up, man. On t'a démonté. Ça, c'est à cause de vous, hein. Eh oui, bravo Skyrock encore. There's that hash and that tobacco, man. L'album de Wiz Khalifa arrive. Écoutez bien. Eh oui.
de l'album. Le son de Wiz Khalifa qu'on a découvert sur Sky. It's a part of your album. That yes. Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard. Wiz Khalifa, donc un extrait du nouvel album, le tout premier. Tiens, on a vu tourner un son, il y a plusieurs qui posent des questions. On va prendre des questions de vous nous poser là sur SMS et sur le net. D'ailleurs, si vous avez un truc à dire à Wiz Khalifa, allez-y hein, sur SMS, sur le net, au 41 Sky, sur skyrock.fm. Look at that, the message is for you. There you go. Wiz Khalifa. Et kids. On nous parle d'une vidéo qui tourne depuis ce matin, c'est 50 Cent et toi. Yeah, I just had the song with 50 Cent. Yeah, I just put that out yesterday. It's called Telescope. Like I said, me and 50 did that song like 2-3 weeks ago maybe. Mm-hmm. And I felt like, you know, I might have been like too late to try to put it on the album, but I wanted to make sure people heard it. And I wanted to make sure they heard it and were excited about it. So I didn't want to drop the album and then put the song out like, hey, this could have been on the album. And then people would be like, oh, fuck you. Why didn't you put that on there? So I put it out first. You know what I'm saying? And 50's my man, so we'll probably like end up doing a video, some cool shit. We'll do some more music. I want to help him like with his album. Not really that he needs help, but like I'm the leader of the young generation, so I know what these kids want. So it's like, you know, I could get in there and do like 8 songs with 50 Cent, and like maybe 2 of them make his album. And he really, really has some potent, you know what I'm saying, things to give to these hippies, because he's already got his audience like laid out. But you know what I mean, there's a whole new demographic now. Mm-hmm. So it's en like fait, I could get in on that. La vidéo s'appelle Télescope. Ouais, et, d'ailleurs, c'est ça, je crois. C'est un truc qu'on avait fait ensemble. Exact. Et en fait, ils se sont dit, bon, avec 50 Cent, ils l'ont enregistré il y a 2-3 semaines. Et toute la question, c'était, bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, je la mets sur l'album, c'est trop tard. Et bon, on va pas la laisser tomber. Donc il s'est dit, bon, autant casser le mythe et la foutre tout de suite sur Internet, que les gens l'écoutent. Et bon, on s'est dit, ouais, parce que putain, l'album, ça va pas monter. Bon, donc l'idée, c'est, ils vont faire après peut-être un clip. Ensuite, l'idée, c'est qu'il l'a aidé sur cet album et lui, il veut aider 50 Cent parce que Wiz, c'est quand même la nouvelle génération. Mm-hmm. Il sait ce qui plaît. Il est le leader de cette nouvelle génération. Et il dit, ouais, ce qui serait sympa, c'est qu'on se retrouve avec 50 Cent, qu'il lui file un coup de main. Non pas qu'il en ait besoin d'un coup de main, mais bon, qu'il soit là avec lui, qu'il fasse 8 chansons et peut-être que des 8, 2 puissent aller sur son nouvel album. Parce que comme disait Wiz, lui, il sait ce qui plaît maintenant. Il sait ce que veut cette nouvelle génération. Il sait ce que veulent les jeunes. Merci Wiz Khalifa. Donc ça, c'est un extrait de ce que vous pouvez retrouver sur le blog de l'émission difool.skyrock.com. Oui. 50 et Wiz Khalifa. Tu sais que 50 avait chanté avec Romano. Hein. Yes. I sing with 50 Cent. Yes. You sang with all my friends. You sang with. Yes. Tout son. T'as chanté avec tous ses potes. Yo, 50's a great guy, right? Ouais. And he's super cool, man. Yeah, yes. Super cool man. C'est vrai, 50, il est super cool. C'est un super cool man. All the super cool people got the most money. Tous les super cool ont le plus d'argent. Ah bah là oui, 50, c'est clair que ça va, y a pas de souci. Tiens, écoute, either you got the most money or we're like you and you got the most chicks. Alors, soit exactement. Soit yeah, you got the girls. Toi, hey. Il sait que j'ai moins d'argent qu'eux, donc c'est pour les filles pour moi. Bah voilà, ouais. Yes, the girls. Gotta fight them off, man. I seen them girls downstairs trying to get up in here. Romano, il a vu des filles qui voulaient folles et qui voulaient vraiment hystériques. It's right. You're right, Wiz. You know the story. On nous dit que Wiz Khalifa se balade toujours avec de la fumée au-dessus de la tête. Moi, c'est des femmes qui me courent après. Eh ouais. They say that there is always a smoke over your head. And always girls. Exact. Exact. Yeah. Voilà. How you doing, man? Tiens, écoute ton pote 50 avec Romano. Écoute ça. Oula. Take me to the candy shop. Hey. I like to let the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going to Europe, you stop. Whoa, whoa. Candy shop. But you want to enjoy what you got. I've got you good got. Job, Romano. Keep going. Mais t'as pas l'autre. L'autre, elle est encore mieux. Always A plus, bro. Laquelle autre, Romano? J'en avais fait une autre. Straight to the bank. Straight to the bank, t'avais fait. You know Straight to the bank? Yeah, I know all 50 songs. Écoute. Straight to the bank. That's about it. Straight to the bank. Straight to the bank.